Dis bonjour mon amour, oh que t'es belle. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma routine capillaire avec tous les produits que j'utilise. Puis une deuxième vidéo sortira sur mes colorations de cheveux parce que oui, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On commence tout de suite parce que j'ai vraiment pas mal de produits à vous présenter en fait. Ce qu'il faut savoir c'est que avant j'utilisais vraiment pas beaucoup de produits. J'utilisais juste un shampoing 2 en 1 là, le Dove, et puis en fait un jour j'ai fait une grosse réaction à ce shampoing, c'est-à-dire que ça me démangeait le cuir chevelu. Et donc je suis passée à le shampoing que j'utilise encore aujourd'hui et que j'adore, c'est le Chlorane à la voile. C'est un shampoing que j'utilise depuis 6-7 ans. C'est un shampoing extra doux pour tout type de cheveux et vraiment je l'adore. Mais vous savez c'est quoi le problème? Le problème c'est que j'arrive de moins en moins à le trouver. Mais je le trouve seulement sur internet. En tout cas c'est un shampoing que j'aime beaucoup, j'adore l'odeur et tout. Je trouve que ça fait grincer un petit peu les cheveux. Je sais pas si vous voyez cette sensation. Ensuite pour un deuxième shampoing que j'utilise en fait, parce que celui-là comme je trouve de moins en moins, j'ai dû trouver une sorte d'équivalent en fait. J'ai essayé celui de chez Herbal Essence. Donc c'est le réparation pour cheveux abîmés à l'huile d'argan. En fait j'adore cette odeur et je l'ai découvert grâce au masque que je vais vous montrer juste après. J'adore l'odeur, vraiment je le trouve plutôt efficace. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup et parce que ça mousse énormément en fait, donc faut juste mettre un petit peu de shampoing aux racines, on se lave que les racines, on se lave pas les pointes, et émulsionner avec de l'eau et tout, et vraiment il est plutôt bien, je trouve qu'il fait briller mes cheveux et tout, donc je l'aime beaucoup. Juste pour information, quand j'étais blonde etc, j'utilisais ce shampoing là, donc c'est le 2 Sanges Age Sublime Blanc Chic, donc c'est celui de grande surface. Faut savoir que j'utilise pas énormément de produits pour mes cheveux qui soient pas de grande surface parce que c'est plus simple à commander et tout, ça coûte moins cher, donc celui-là je l'aime beaucoup, il fonctionne très bien et ça fait depuis des années aussi que je l'utilise. Ensuite dans ma routine, de temps en temps, je dirais peut-être une fois par mois, sachant que je me lave les cheveux tous les 4-5 jours, j'utilise en fait de l'eau lamellaire. Donc celle-ci c'est la Color Vive de chez Elsev. J'avais la version rose, enfin le flacon est orange avec du rose. Et vraiment ça fonctionne tellement bien ce truc, vraiment c'est génial. J'en mets donc sur mes... je fais couler en fait de mes racines jusqu'à mes pointes. Je masse un petit peu, je laisse agir quelques secondes ou quelques minutes. Et vraiment j'adore, je trouve qu'on sent directement le cheveu qui est différent une fois rincé etc. Même quand il est séché, le cheveu est beaucoup plus brillant. Vraiment je préfère mille fois l'odeur du rose que celui-ci. Mais en tout cas les deux fonctionnent très bien. Celui-ci c'est pour les colorations, les mèches etc. Donc voilà, vu que je suis rousse aujourd'hui, je me suis dit qu'il valait mieux tester celui-là. Pour le masque, alors j'utilise pas d'après-shampoing tout simplement parce que j'ai vraiment besoin d'un masque ayant les cheveux hyper fins qui s'en mêlent hyper rapidement, vraiment c'est des fois c'est infernal, il suffit d'une nuit je me réveille avec un nœud énorme, donc j'ai besoin d'un masque hyper riche, voyez, pour que je puisse bien démêler mes cheveux. J'allais dire quoi? Bon, nous avons été coupés, désolée, je sais même plus où j'en étais. Je pense que soit je parlais du masque en vous disant que il était super riche en fait, qui me permettait de me démêler les cheveux hyper facilement après la douche et tout. Et donc vraiment, je l'adore, en plus l'odeur elle est incroyable. En plus ça reste sur les longueurs et tout, donc la texture elle est vraiment hyper hyper riche et il en faut vraiment pas beaucoup pour faire toutes les pointes en fait. Donc génial, ce masque il est juste incroyable. Il coûte 8 euros ou 9 euros le gros pot de 400 ml, je crois, 450 ml, donc génial. Pour l'après-shampoing, comme donc j'utilisais le masque et je me suis dit qu'il était super bien, j'ai utilisé le shampoing en fait, donc je me suis dit bah c'est génial, je vais essayer toute la gamme. Et donc j'ai essayé d'utiliser l'après-shampoing, donc de la même gamme, de la même marque et tout. Et en fait je me suis dit ce serait plus pratique de prendre l'après-shampoing en voyage plutôt que prendre le gros pot de masque en fait. Et j'ai trouvé celui-là et en fait je trouve qu'il ne sert à rien du tout. En fait je ne vois aucun résultat, aucun effet, il fait rien sur les cheveux, vraiment c'est un truc de fou. Je comprends pas comment c'est possible que ça agisse aussi peu. Donc peut-être que je l'utilise pas de la bonne manière, mais bon, enfin, un après-shampoing ça se met sur les pointes et tout, on le laisse agir un petit peu et puis on le rince, ça ne fonctionne pas du tout. Donc si vous voulez ne pas dépenser votre argent pour rien, n'achetez pas cet après-shampoing, achetez le masque et le shampoing de la même gamme qui sont incroyables. Mais alors l'après-shampoing, voilà pour tout ce qui est de la partie douche en fait, de là où je me lave les cheveux. Ensuite quand je sors de la douche en fait j'utilise tout le temps des produits pour protéger mes cheveux de la chaleur etc. Donc j'en ai un, c'est un de mes produits
préféré, vraiment, j'adore ce produit, j'adore l'odeur, j'adore l'utilisation, il fonctionne super bien. Donc c'est le Color 10 en 1, le Série Expert de chez L'Oréal. C'est le spray perfecteur multi-usage pour cheveux colorés, vraiment je l'adore trop, vraiment c'est un truc de fou, l'odeur je la trouve juste dingue. Et donc je l'utilise à chaque fois que je me lave les cheveux, enfin en sortant de la douche, je le mets sur cheveux humides puis je me sèche les cheveux. Je peux aussi l'utiliser avant de me faire par exemple des coiffures style des plaques ou des boucles. Mais il faut laisser sécher avant de mettre les plaques dessus, hein, donc c'est très important. Et un équivalent que j'ai trouvé, c'est le Instant Miracle 10, qui se présente comme ceci, de chez Urban Keratin. Et pareil, c'est un multi-action spray, c'est à peu près la même chose, mais j'aime un petit peu moins l'odeur. Il sent tout aussi bon, mais mon cœur balance plus pour celui-là. J'ai oublié de parler de la meilleure brosse au monde. Voilà, alors c'est la Tangle Teaser pour cheveux mouillés. Des picots un peu plus bas et des picots plus hauts, vraiment, c'est la meilleure brosse à mes yeux. Je ne me brosse les cheveux qu'avec celle-ci depuis des années, vraiment depuis je crois le lycée ou quoi, j'utilise celle-là en plus, je l'ai pas changée, je l'adore vraiment, c'est la seule brosse qui me casse pas les cheveux parce que j'ai les cheveux malgré tout sensibles avec toutes les couleurs que j'ai fait et tout, donc vraiment, et les cheveux fins aussi, vraiment c'est la meilleure brosse et c'est la seule que j'utilise autant sur cheveux secs que cheveux mouillés, donc vraiment big up. Je l'adore. Une fois que j'ai séché mes cheveux, j'utilise une huile capillaire. Donc là, j'en ai deux. Une de grande surface, une un peu plus magasin spécialisé. Donc tout d'abord, j'ai la Bumble and Bumble Hairdressers Invisible Oil. Donc voilà, c'est le petit format que j'ai juste ici. Je l'aime bien. L'odeur, ça sent plutôt bon, mais c'est pas un truc de fou non plus. Après ça, c'est vraiment des trucs que j'utilise, mais quand j'y pense en fait. Donc c'est pas automatique. Par contre, je l'utilise sur cheveux secs. Quand je me suis pas lavé les cheveux depuis un moment et que je vois mes pointes sont hyper sèches, en fait je vais venir en appliquer un petit peu. Donc le deuxième que j'ai, c'est le 200 Extreme 3 huiles. Donc voilà, c'est celui-ci que j'achète du coup en grande surface. Il sent divinement bon. Tout ce qui a l'argan, j'adore. Vraiment, ça sent super bon. Voilà, c'est les deux petites huiles que j'utilise de temps en temps pour mes pointes sèches. Ensuite, quand je me lave pas les cheveux pendant 4-5 jours, je vais utiliser quasiment quotidiennement du shampoing sec. J'utilise le Baptiste depuis des années, mais vraiment depuis des années, depuis que j'ai découvert ça. Franchement, je l'utilise quasiment quotidiennement à part le jour où je me lave les cheveux, quoi, parce que j'ai les cheveux qui graissent extrêmement vite. Donc même si je fais un shampoing tous les 4-5 jours, bah, ils graissent quand même. Donc j'utilise ce produit-là. Vraiment, c'est le meilleur. Pour démêler mes cheveux, comme je vous ai dit, qui s'en mêlent hyper facilement et tout, j'utilise le Revlon Equave, soin démêlant instantané. Donc voilà, c'est celui-ci. Je l'ai acheté sur Amazon, celui-là, mais dans tous les cas, si je trouve les liens des produits, ils seront dans la barre d'infos. Mais en tout cas, ce produit, je l'aime trop. Il laisse... en fait, il démêle super bien. Et il laisse une légère odeur fraîche sur les cheveux que j'adore. Donc voilà, c'est génial. En dernier, je voulais vous parler de compléments alimentaires. Donc ici, j'en ai deux. Tout simplement pour vous faire un petit peu un retour si jamais vous êtes intéressé par la pousse de cheveux, la résistance, enfin, l'antichute, etc. J'ai longtemps utilisé le Siletum. Je vous mettrai une petite photo. Et sur moi, je pense qu'il a assez fonctionné. Donc j'ai fait plusieurs cures de 3 mois. Je crois que c'était le boost que j'avais. Ensuite, j'ai utilisé les Hair Boosters de chez Sephora. Donc c'est des petites gummies comme ça. Alors franchement, le goût, je trouve pas forcément agréable. Ça sent... Au début, ça a un goût de menthe, mais comme tous les gummies, même ceux de chez Herbers, parce que je les avais essayés, je trouve que le fait de les mâcher, à la fin, ça laisse un goût un petit peu bizarre dans la bouche en fait, et j'apprécie pas forcément, mais bon, je les prends quand même. Et donc là, c'est mon, je crois, cinquième pot. Donc j'ai déjà fait une cure de 3 mois, puis j'ai refait 2 mois, et en fait je l'ai pas fini parce que je sais pas pourquoi, j'ai regardé en fait les ingrédients. Et les deux premiers ingrédients, c'est sirop de glucose et sucre. Et je pense qu'en fait, c'est parce que c'est des gummies et donc il y a besoin de sucre. Enfin, si on regarde la liste, je vois biotine quasiment dernier. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des traces de biotine et pas vraiment l'agent actif directement dedans. Donc, je l'ai utilisé. J'avais l'impression que ça fonctionnait parce que franchement, mes cheveux poussaient un petit peu plus rapidement. Donc, je pense pas que ce soit inutile vraiment. Mais je pense qu'il y a un petit peu trop de sucre dedans. Et donc, je suis allée en pharmacie et j'ai demandé un complément alimentaire justement pour la pousse des cheveux et l'antichute, et la pharmacienne m'a conseillé celui-ci, c'est Capactif de la marque Synactif, et vraiment c'est une marque assez réputée, j'ai remarqué. Un pot
coûte à peu près 40 euros, je crois. Donc, je trouve ça cher hein, pour un pot. Mais il faut savoir que dans un pot, il y a une cure de 3 mois déjà. Donc, pas besoin de racheter d'autres pots. Alors que celui-ci, par contre, c'est 60 gélules. Donc, il faut en acheter un par mois. Celui-ci, on a les 180 gélules, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, les 180 gélules. Donc, on a la cure complète de 3 mois pour 40 euros. Je trouve que ça va, en fait. C'est un petit peu cher, mais ça va. Mais voilà, en fait, quand je regarde les ingrédients de celui-ci, je vais vous les mettre à l'écran. Vous pouvez faire pause. Je trouve que vraiment, ça vaut plus la peine de payer 40 euros et voilà, et vraiment d'essayer de faire la cure complète. Par contre, l'odeur, c'est horrible. Vraiment, c'est... Ça sent vraiment les plantes quoi, enfin je sais pas, c'est dégueulasse. Et en tout cas, ça fait pas longtemps que je l'ai commencé. Et je vous donnerai plus de détails si vous voulez un retour, si ça fonctionne ou pas, mais d'ici 3 mois. Voilà, on en a donc fini pour la partie cheveux, donc tous les produits que j'utilise pour les cheveux, les compléments alimentaires, etc. On se retrouve donc dans la deuxième vidéo qui parlera de mes couleurs de cheveux. Je pense qu'elle sera un petit peu plus intéressante. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de laisser un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous.